On est parti directement pour redessiner des biomes de Minecraft dans la vraie vie avec du papier, des feutres et des crayons. Et celui qui fait le dessin le plus éclaté doit acheter le dernier iPhone 15 au gagnant. Sauf que ça, Johan, il est pas au courant de cette règle. Mais il va la prendre dans une seconde. Quoi? Mais t'es malade! Trêve de blabla, Johan. C'est en deux manches gagnantes. À tes stylos et c'est parti! Allez, ça part. Premièrement, je vais essayer de me faire un croquis sur Paint pour lister ce que je prévois de faire. Je me suis noté des idées juste là. Donc voilà, PNJ, maison, forge, etc. Et on va les cocher dès qu'on les aura placés. Et pour que mon dessin soit immersif, j'ai envie de dessiner une barre d'inventaire comme ça. Et qui dit barre d'inventaire dit forcément la main qui va avec. On va caler un petit PNJ juste devant ce lac. Je lui ai mis un petit peu de perspective. Ensuite, derrière lui, je vais faire un petit arbre. Maintenant, faudrait peut-être commencer à faire le village parce que bah c'est ça le thème principal. Donc ça sera un chemin de village. Pour la première maison, je vais essayer de refaire celle-ci. Et là, je suis en train d'y réfléchir. C'est facile sur Paint, je mets beaucoup d'éléments, mais à faire dans la vraie vie, je pense que je vais tellement galérer. Bon les gars, là on joue pour un iPhone. En plus c'est le dernier iPhone qui vient de sortir. Du coup il doit coûter 4 842 euros là. Moi j'ai pas ça les gars. Moi, je suis pauvre, j'ai moins 700 sur mon compte. Donc bon, du coup moi ce que je vais essayer de faire, c'est que déjà regardez, on va faire le chemin normal du village. C'est-à-dire vous voyez le chemin sur lequel je suis actuellement. Ensuite les gars, bien sûr, ce qu'il y a de très important dans un village, il nous faut des bottes de foin. Donc voilà, les bottes de foin, je pense que je vais les faire par là. Ensuite, ce qu'on peut rajouter dans les villages les gars, eh bien regardez-moi ça, c'est des arbres. Parce que les arbres, c'est la vie, sans les arbres, on respire pas et si on respire pas et ben on meurt. Voilà ce que ça donne avec les couleurs, c'est très très moche. Donc la maison c'est fait, oh maintenant la forge. Pourquoi je me lance dans ça? Je vais essayer de refaire celle-ci mais ça va être trop dur. Et là derrière ce sera la lave. Et attention, avec la couleur ça donne ça, c'est pas trop mal en vrai. Donc je pense qu'on va se faire un petit arbre juste ici vous voyez. Et maintenant les amis, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire une petite église. On va marquer église Minecraft. Et boum, bon on tombe sur des églises de builder. Mais moi celle que je veux c'est celle-là. Et on va essayer de la refaire. Donc c'est à peu près un truc comme ça, là ça fait une croix parce que c'est une église logique. Voilà, regardez, on se remplit tout ça, voilà. Ah, pardon. Et voilà, nickel, regardez, on a déjà un bon début, moi, je trouve. Là, c'est parfait, mais il manque un petit truc. Qu'est-ce qu'il y a derrière moi, là? À vous de deviner, je vous laisse 3 secondes. Ok, c'est bon, stop. On a des fleurs juste ici, mais on a aussi un champ. Et oui, les gars, qu'est-ce qu'un village sans champ? Eh bien, c'est un village sans champ. Du coup, ça, on peut cocher. Les arbres, pareil. Je vais essayer maintenant de faire un cochon. Voici les contours, c'est basique, c'est un croquis. Et voici pour la couleur. Du coup, c'est fini, on peut cocher ça. Et maintenant, il me reste un coffre à faire. Et ça, y a rien de plus simple, c'est un gros cube. Et on a notre coffre. Pour pouvoir faire les petits champs, ici on va mettre l'eau juste au centre. Et maintenant les gars, on peut mettre des petites graines. Donc voilà, hop, des petits trucs comme ça. Et voilà, nickel. Mon dessin est enfin prêt. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi je lui donne un bon petit 15 sur 10. Il est magnifique. Et qu'est-ce qui me reste là? Des nuages et c'est tout. Ça maintenant on va colorier en vert. Voilà, on met le ciel en bleu. Nickel. Maintenant tout ça il va falloir le refaire dans la vraie vie. Du coup c'est parti. Je pense que je vais commencer par la barre d'inventaire et la main, vu que c'est le plus simple à faire. Voilà, 15 cm, ce sera très bien. Même IRL, c'est largement assez. Oh, attendez, parce que avec cette mine là, ça va être largement mieux. Maintenant, je vais refaire la main. Et je précise au cas où, mais ça, c'est pas la feuille du dessin. En fait, après, je vais venir découper les éléments pour les coller par-dessus une nouvelle feuille. Et ça va faire un espèce de rendu 3D cool. Ok, en fait, en coloriant, je me rends compte que ça va être terriblement long. Je sais pas ce que nous a préparé Johan, mais je sais que IRL, il a pas beaucoup de stuff. Donc, déjà, je prends un avantage là-dessus. Moi, j'ai des feutres de zinzin en vrai. Normalement, en art plastique, j'avais une très très bonne moyenne. Ce qui explique pourquoi je suis vraiment très très fort à Minecraft. C'est faux, y a strictement aucun rapport hein. Surtout que je suis nul à Minecraft donc. Voilà, on a fait les deux trucs les plus simples. Maintenant place au dur. Ok, en fait depuis tout à l'heure j'essaie de genre faire un arbre sur le côté en diago, c'est impossible. Voilà, c'est le choix artistique que j'ai pris, plus de règles. Les gars, je crois que ça fait genre 6 ans que j'ai pas colorié un truc. Ça m'était pas arrivé depuis les cours. En parlant des cours, vous avez eu une bonne rentrée? Ah, les bons sujets là. J'espère qu'il n'y a pas de brut qui s'appelle Brandon et qui vous harcèle. Normalement non, parce qu'on habite pas aux US quoi. Et je viens d'y penser, mais en fait dans les villages il y a pas de sapin. Ça va pouvoir partir à la découpe. Et là il y a plein d'angles chiants là. Oh, pourquoi je fais cette vidéo? Je pourrais faire des trucs tellement plus simples comme des mythes horreur Minecraft ou des manhunt troll ou alors des que font les mobs quand je ne suis pas sur la map. Mais sauf que moi, si je fais ça, ça marche pas. Je suis obligé de dessiner. C'est quoi ma vie? C'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Le but c'est de gagner un iPhone. Et en attendant, les mecs, je sais pas quoi dire donc je vais lancer un débat. Vous pensez quoi des vidéos fake sur Minecraft? Parce que pour pas mentir, on en a tous faites et jusqu'à pas longtemps, en vrai, ça dérangeait personne ou en tout cas, ça s'en plaignait pas. Et depuis que Multicore a sorti la vidéo où il a copié un américain, et bah je vois que ça en commentaire, même sous les vidéos qui sont pas fake. Donc je sais pas si ça a réveillé quelque chose. Bref, en tout cas mon sapin est terminé. Du coup là je pense que je vais rester dans le thème de la verdure et je vais essayer de faire le deuxième arbre qui est au fond là-bas. Du coup boum, j'ai terminé mon premier arbre. Et est-ce que ce serait pas le temps de vous rappeler que vous pouvez vous abonner à cette chaîne? Surtout qu'aux 300 000 abonnés il y a une très très grosse vidéo qui arrive. Maintenant je pense que je vais faire le PNJ, on va rester dans cette zone hein. Et voilà sur quoi je vais essayer de m'appuyer. On reconnaît le PNJ mais c'est pas ouf hein. C'est pas grave les gars, il est 4 h du matin donc on va s'en contenter largement. Ce sera ce marron là pour les jambes et les bras. Pff, ah ouais,
Je suis pas entièrement convaincu du villageois, bon. Bon, du coup, là, le coffre, c'est vraiment simple comme bonjour. Et voilà, bah, le dessin est déjà terminé, j'ai juste à colorier. Et là, il nous faut un marron qui imite le bois de chêne. Oh oui, j'aurais tellement dû utiliser ça pour le villageois. Là, je lui ai fait une blackface. Plus que le cochon. Oh, j'ai foiré son crâne. Non. Voilà, avec son regard hagard. Je sais pas ce que ça veut dire. Par contre, je connais hagard. Ouais, on fera une prochaine tentative demain. Nickel, maintenant on va faire un diamant. Et là, pour le coloriage, il va falloir que je sois technique. Il y a tellement de bleus différents. Mais ça tombe bien, j'ai tellement de bleus différents. Genre un truc comme ça. Oh mince, regardez, j'ai oublié de faire la petite fleur là. Oh, j'y ai pas pensé. Comment je vais découper ça? Ça fait... C'est tellement petit. Ok, du coup, pour ce qui est des maisons, donc de la forge et de la petite maison, je me suis préparé un espèce de brouillon. Et là, je vais juste repasser au noir sur tous les traits que j'ai fait. Ok, pour le noir de la maison, ça donne ça, c'est pas trop mal. Et maintenant, j'attaque la forge. Ok, let's go. Par contre, c'est aberrant. Je sais pas faire de traits droits. Y a rien qui est droit, en fait. Il est temps maintenant de colorier tout ça. Alors, si vous posez la question de... C'est quoi ces petits trucs-là? C'est des torches, en fait. Ok, la maison est terminée. Ça donne ça. En vrai, c'est vraiment fidèle. Hein. Regardez, j'ai pris exemple sur celle-ci. Du coup, j'ai plus qu'à colorier la forge et j'aurai quasiment terminé. Enfin, parce qu'il est, bah, il est 5h du mat, là. Let's go, c'est enfin terminé, j'en peux plus. Et maintenant j'ai plus qu'à dessiner des nuages, je vais faire ça à la zeub. Hop, la petite forge, c'est bon. Voilà maintenant pour la maison, et voilà pour les 4 derniers petits nuages. Et maintenant faisons l'inventaire de tout ce qu'on a. Du coup voilà, on a tout ça, et je me rends compte qu'au final ça nous fait pas tant d'éléments que ça. J'espère que ma feuille fera pas trop vide. Ok, en vrai ça va, je m'imagine plutôt bien le truc. Maintenant je vais devoir colorier entièrement la feuille. Ok, c'est maintenant que ça va devenir très très long. Let's go les gars, j'ai enfin terminé l'étape du coloriage, ça m'a pris longtemps. Il est 6h du matin, donc voilà. Cette vidéo prend du temps, donc n'hésitez pas à liker pour le soutien. Surtout que là, je viens de péter mon trépied en fait, donc j'ai vraiment la mort genre. Du coup, bah maintenant, je vais mettre tout ce que j'ai découpé sur mon dessin. Et puis, on va voir le résultat. Vous l'avez sûrement un petit peu vu pendant l'accéléré, mais regardez-moi ça, je trouve que ça a trop de flow. En fait, on dirait un peu le dessin d'un enfant de 5 ans, mais avec toutes les couleurs et vu que c'est dans le thème de Minecraft, ça rend trop bien. Je vous montre un petit peu mieux ici, les gars, je trouve ça incroyable. Franchement, si là j'ai pas la première manche, par contre il est 6h47, est-ce que ça valait le coup de prendre toute ma nuit pour ça? Honnêtement, je pense pas, mais bon, au moins j'aurai un iPhone. Écoutez, on va passer au résultat tout de suite. Ça y est, on a tous les deux terminé nos dessins dans le thème village. Et on va pouvoir se les envoyer, voir qui gagne la première manche. Ok, du coup, Johan, c'est moi qui vais envoyer en premier. Franchement, je suis tellement fier de mon dessin, mec. Et boum! Voici la masterclass. C'est pas incroyable? Mais frère, il est incroyable. Eh oui, j'ai mis 4 heures à le faire. Moi, j'ai pas du tout fait ça. Tu vas me démonter, j'ai peur de l'envoyer, là, le mien. Oh, let's go! L'iPhone est pour moi. Mais attends, mais par contre, pourquoi ton PNJ, il est cramé comme ça? Il est allé au soleil, il est parti dans les îles. C'est ça. Voilà, j'ai fait petite maison, un espèce de format téléphone. Je vois ça, on a tous les deux trucs en commun. Tu veux que je te l'envoie? Bah oui, vas-y, c'est allez, c'est parti. Il y a un jeu de relief, regarde, l'église sort du cadre. En vrai, ça va, mais en fait, je crois que c'est le fait que ce soit au crayon. Les couleurs, elles puent sa mère, genre, c'est tout gris. Ouais, alors non, moi, mais... c'est tellement beau. Ouais, mais c'était pas précisé, en fait. C'était juste qu'il fallait colorier. Donc, j'ai gagné. Du coup, on a sélectionné un abonné pour nous départager. Et c'est lui qui va nous donner son avis pour savoir qui a gagné la battle de dessin. Là, je dois donner honnêtement mon préféré. Ouais, ah, c'est dur, hein. C'est dur de choisir, là. Hein. En vrai, c'est totalement différent parce qu'un, il a mis plus de détails et l'autre, il. Et l'autre, il a fait la merde, ouais. Il y en a un, il est un peu plus déformé, je trouve. Ah bon? Ouais, c'est celui du dessus. Ah mais non, mais c'est la perspective. Attends, je t'envoie une meilleure photo. Ah là là, là. Je veux gagner, moi. Parce que toi, tu sais pas ce qu'il en joue, toi. Voilà, regarde, c'est pas déformé, là. Ah ouais, j'avoue. Je préfère celui d'invisible, juste parce qu'il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de détails. Wow. Let's go. Comment tu savais que c'était le mien? Bah parce que t'avais le seum et que tu me l'as renvoyé. Ah, c'est vrai. Let's go. Je gagne la première manche. Putain. Johan, comment tu te sens, là? Mal. J'ai déjà plus d'argent. Et bah j'espère pour toi que tu vas gagner la prochaine manche. Et en tout cas, le thème de cette manche, c'est le thème libre. Donc t'as le droit de... Non. T'as le droit de dessiner ce que tu veux tant que c'est dans le thème de Minecraft. Donc choisis bien et c'est parti, à nos compas. Mauvaise chance, con. Ah ouais, bah je vais tout donner pour rafler l'iPhone. Non, je vais pas laisser ça. Allez, on est parti pour dessiner le thème Minecraft libre. Je pourrais commencer par faire des montagnes. En vrai, j'ai aucune idée vers quoi je vais me diriger. Est-ce que je fais un biome? Est-ce que je fais une structure? Oh, ou un skin, genre par exemple Herobrine avec une petite épée dans la main. Bon, c'est nul. Il faut que je réfléchisse.
Bon, du coup, les gars, thème libre. Je pense qu'on va tenter un truc de fou, un Warden. Donc, vous savez quoi? On part directement ici, on marque Warden. Et on tombe directement sur des trucs vachement stylés. En vrai, c'est plutôt pas mal. Ça, j'aime bien ça. Donc, vous savez quoi? Regardez, on repart sur Paint. Et là, maintenant, je suis prêt pour dessiner un petit Warden. Donc, déjà, ça a deux jambes comme ça. Là, on va faire ses géants bras. Hop, nickel. Là, on fait les yeux, la bouche. On va maintenant lui faire des petites griffes au ventre. Donc, voilà, comme ça. Oh, les gars, je me baladais pour trouver des paysages Minecraft. Et j'ai trouvé un truc qui serait une super bonne idée à refaire. Je vais pas vous dire ce que c'est, vous allez devoir deviner. Bon là on comprend rien de ce que je dessine. Ça arrive les gars, ça arrive. Je vous aide un petit peu, c'est une image un peu connue. Et qui concerne Minecraft évidemment hein. Bon je dessine très mal donc je sais que c'est compliqué de reconnaître. Mais là en vrai c'est possible. Si vous êtes vraiment fort vous pouvez reconnaître. Ok là je vais commencer à mettre les détails qui vont faire que ça va devenir tout d'un coup beaucoup plus facile. Enfin si seulement je savais dessiner hein. Là oh là là. C'est quoi cette horreur bref. Ok est-ce que vous l'avez là? Quoi toujours pas? Bon les gars en vrai je vais pas vous mentir. Je suis nul en dessin, j'ai peur. Je sais pas du tout comment faire. Au pire vous savez quoi, il a pas dit que c'était pas interdit de tricher hein. Donc à tout moment je peux tricher. Donc vous savez quoi, regardez c'est ce qu'on va faire. Je vais marquer dessin Minecraft au crayon. Et là vous voyez regardez on tombe sur plein de dessins. Par exemple ça c'est un truc de malade. Ça c'est ouf, ça aussi c'est dingue. Par contre ça c'est très très frais. Mais le problème c'est qu'il y a son pseudo ici. Regardez je vais copier l'image, je vais ouvrir Photoshop. Et là juste ici boum je mets le petit dessin. Et ensuite du coup regardez ce que je vais faire. C'est qu'on va zoomer ici sur le pseudo. Et on va aller enlever le petit pseudo justement. Je vais prendre ça comme ça. Et voilà nickel. On a un dessin parfait. Donc vous savez quoi, boum je l'enregistre. Et là je vais gagner à coup sûr. Si je gagne pas c'est que vraiment il triche. Je dis ça alors que j'ai triché. On va rajouter ça comme ça. Et là le fond est bleu. Et là ici il y a plein de couleurs. Allez dites-moi que vous l'avez là. Bon, en tout cas les gars si vous aviez pas trouvé. Et ben en fait depuis le début c'était ça. Boum. La cover de la musique Minecraft May. Ah, attendez je l'ai trop bien fait. C'est vraiment la même chose. De base j'avais hésité à refaire cette image. La miniature que tout le monde a repris. Ça aurait pu être marrant mais je pense que je vais pas gagner avec ça. En plus ce qui est cool c'est que bah du coup j'ai même pas besoin de faire de croquis. Bon les mecs il se peut que pour cette manche je triche. Vous allez sûrement vous dire c'est de la triche. Bah déjà oui c'est le principe. Mais il y a quand même un iPhone 15 en jeu genre. Bref du coup ça va partir sur le dessin de Minecraft May, j'ai pris mon petit modèle. Mais du coup je vais pas vous dire tout de suite comment est-ce que je vais tricher. Et n'hésitez pas à essayer de deviner, en vrai c'est pas dur du tout. Et je commence à 22h, j'espère ne pas mettre trop de temps. J'ai préparé juste à côté des petites questions qui m'ont été posées par des abonnés comme tu gagnes combien. Voilà donc j'y répondrai au fur et à mesure pendant que je dessine. Bref ça part, on va tout de suite commencer avec mon skin. Du coup bah pour démarrer, première question de Ryan Cactus, il en a posé beaucoup d'ailleurs hein. Quel est ton jeu préféré? Et bah les gars ce n'est pas Minecraft en tout cas, il en fait partie. Mais mon jeu préféré est le jeu de mon enfance tout court en fait. C'est le jeu Wakfu, c'est un espèce de MMORPG. S'il n'y a pas de vidéo qui sort, c'est parce que je suis en train de jouer à Wakfu, voilà, si vous posez la question. Et je me demande sur quoi il va partir, Johan, lui. Et voilà pour la petite veste. Pour la cravate rouge, c'est facile. Du coup, bah pendant que je colorie, là, prochaine question de ce gars, je vais pas le dire le blaze. À quand le retour de Camille et Dark Sasuke? Alors, pour les deux, peut-être pas tout de suite. Pour Camille, il est pas chez lui jusqu'en hiver, je crois. Il est actuellement en Corse parce qu'il travaille. Et Dark Sasuke, bah, le théorème de Sardoche, les gars. Il a rencontré une meuf et du coup, bah, il a un peu moins de temps pour nous. Mais il n'y a pas que ça aussi, il a repris les études, il taffe à côté, il sort. Et du coup on a moins l'occasion de savoir en vocal. Et donc forcément il y a moins de vidéos avec lui. Il y a des rumeurs qui tournaient comme quoi on était en embrouille et tout. C'est faux hein, c'est Dark Sasuke lui-même qui les a propagés. Il racontait aux gens qu'on s'était battu dans la rue et encore pire que j'avais perdu. Mais non c'est faux les gars. Dark Sasuke et moi on s'est battu qu'une fois et je vous mets un passage de notre baston. Tu me touches pas. Mais ton slip il est sale aussi, ça y est je peux te toucher. Ose. Il va te tracer quoi? Tu verras. La curiosité va me tuer. S'il te plaît. Oh, oh, wesh. Nickel. Bon, avant de passer à la découpe, je vais faire les autres persos. Et pendant que je commence les contours, il y a Nono la Frite qui demande: fais voir un court passage du banger qui arrive aux 300 000 abos. Alors, en vrai, les mecs, j'ai déjà mis assez de teasers. Et j'aimerais pas trop vous spoiler. Donc, juste, je vous raffiche en deux spies tous les teasers qu'on a déjà lâchés. Non. J'enfile le fer dans la poche dans. Pomme dorée dans le backpack. Voilà, donc si ça vous hype, n'hésitez pas à vous abonner. Nickel, j'ai terminé la couleur du Yo Ananas. En vrai, ça a arrangé un peu les choses, mais c'est pas parfait non plus, quoi. Maintenant, du coup, on va passer au Dark Sasuke. Hein. On fait juste les trois persos en premier. Puis après, ça va être plus dur de. Waouh, faire la grande roue. Bref, on y va. Et du coup, je sais pas si vous l'aurez compris par vous-même, hein. Mais si les dessins sont aussi beaux, c'est parce que j'ai big décalqué sur mon écran. J'ai vraiment pris la feuille et je l'ai posée comme ça, puis j'ai repassé par-dessus au crayon, quoi. Mais c'est pas vraiment de la triche, parce que on a jamais dit qu'on avait pas le droit de décalquer. Personnellement, avoir un iPhone, en vrai, moi, je m'en fous, mais c'est. J'ai pas envie de donner un iPhone si vous voyez ce que je veux dire. Et puis je suis sûr que Johan va trouver une manière aussi de tricher. Ou alors c'est très mal le juger. Et dans ce cas là je m'excuse. Nickel, pour les contours de Dark Sasuke ça donne ça. Bref, question suivante, est-ce que tu as une copine? Non, c'est pour ça que je vous invite à mettre le snap de vos sœurs en commentaire. Ou vos mères,
en vrai. Je prends tout ce qui passe, vraiment tout, tout, tout. Genre vraiment, même si vous avez un chien ou quoi que ce soit. Ensuite là, je vais faire ces espèces de petites particules violettes qu'il a sur lui. Et maintenant, c'est au tour de la gaufre. Ok, nickel. En vrai, ça passe crème. On a terminé la Dream Team. Maintenant, je vais repasser par-dessus ce Vevo. Voilà, parfait. Nickel, les gars, j'ai terminé de découper tout ça. Bon, voilà, vous les avez vus tout à l'heure, de toute façon. Et maintenant, on va s'attaquer, bah, le fond de la miniature. Ça se tourne dans tous les sens, voilà. Le plus dur, ça va être de faire la grande roue. J'ai fait un schéma là. Donc, il faut pas que je me loupe. C'est parti. Purée, je suis dégoûté, j'ai loupé ma grande roue, vraiment, c'est trop dur à faire, tant pis, j'ai la flemme de refaire, donc ça sera la grande roue. Je vais passer maintenant à la couleur, et puis ensuite on collera nos petits personnages juste devant. Ça y est les mecs, j'ai enfin terminé de tout colorier, ça m'a pris du temps, hein. C'était surtout la grande roue qui était vraiment infâme en fait. Et maintenant il est temps de coller les petits personnages par dessus, on va voir si ça rend bien. Je l'espère très fortement, ça fait combien de temps que je suis là dessus 4 heures. Regardez, j'ai mis rien Kyoan, c'est déjà trop stylé. On va mettre mon perso au milieu. Oh, c'est tellement fidèle. J'aime trop, c'est trop stylé. Hop, on met le petit Dark Sasuke. Et pour finir, on met le Vevo par-dessus. Oh la vache, ça rend trop bien, je suis trop content. Je vais avoir un iPhone. Bah après, on n'est pas à l'abri d'une surprise de la part de Johan. Mais pour l'instant, je suis très très confiant. Je trouve ça vraiment incroyable. Et du coup, bah passons au résultat. Allez, on passe enfin au résultat. Je t'avoue que j'espère gagner, pas pour l'iPhone, mais parce que j'ai pas envie de redessiner. C'est tellement long, donc est-ce que t'es prêt? Oui, et moi j'ai mis plus de une semaine à le faire. Non, on a eu 2 jours. Vito. Hey, mets le tien. Hop, on va mettre la qualité maximale. Voilà, comme ça, on est bon. Regarde bien et pleure. Ah, ça s'est pas mis. Ah oui, waouh. Arrête, arrête. Boum, regarde-moi ça. J'ai refait la miniature de Minecraft, mais ça, c'est stylé, incroyable. Mais moi, c'est mieux. Waouh, ok. Bon, je veux bien te croire. Regarde, regarde, regarde. Tu vas voir. Moi, c'est beaucoup mieux, tellement que tes dents en vont tomber. Oh non, pas mes chicots. Alors regarde là, je suis en train de placer le dessin. Et est-ce que t'es prêt? Dans 3, 2, 1, boum. Wow. Ouais, c'est en vrai c'est beau, c'est très très beau. Ouais, voilà. C'est vrai, pour le coup, là t'as géré, t'as pris beaucoup plus de level que tout à l'heure. Mais merci. En vrai, je crois que je préfère encore le mien. Mais c'est peut-être à cause du crayon à papier. Mec, j'ai mis gavé de détails, regarde, j'ai mis un LA, j'ai mis un c'est quoi? Une fontaine? Ouais, un truc là. J'ai mis un LA jaune. J'ai mis un golem. Il est même pas dans Minecraft lui. Tu le sors d'où ça? Mais si, c'est un golem. Je l'ai fait revisiter. Attends, attends. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Attends. Non. Attends, attends, permets-moi juste de vérifier, ok? Ah ouais, hein, franchement, pas mal le dessin. Quoi? Mais c'est quoi ce truc? Ah ouais, ouais. Pas mal, hein. Je crois que tu vas m'offrir un iPhone, hein. Mais pourquoi? Yoann, j'ai trouvé ton dessin sur ton putain de site, espèce de tricheur. Ah ouais? Mais c'est pas ça, pourtant. Et ça, qu'est-ce que c'est? Bah quoi? C'est ton image sur Google, Yoann. Fais pas le débile mental. Non, non, non. Regarde, là, il y a écrit un truc, un pseudo. Et là, moi, il n'y a pas écrit, donc voilà. Attends. Ah, c'est bizarre. Comme par exemple, c'est parti, elle me paraît un peu flou. Tu trouves pas? Pas du tout, pas du tout. Tu l'aurais pas effacé sur Photoshop, genre? Pas du tout. Yoann. Dégaine ton porte bleu, achète-moi un iPhone. On va le choisir ensemble. J'ai gagné, deux manches. J'ai jamais eu d'iPhone de ma vie. Il irait bien dans mes mains. C'est dommage, c'est pour moi. Avant, je disais que c'était pour les pigeons, mais maintenant que je vais en avoir un, je suis quand même content. Hein. Prends le verre. Mais par contre, tu sais ce qu'il me faudrait aussi? Je sais pas. Bah, une coque. Ah, mais tu veux pas on fait pour toi en vrai? Quoi? Mais t'es un malade? Non, moi je veux mon iPhone, j'ai gagné. C'était dans le contrat depuis le début. Non, 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 moi je veux que tu me l'achètes. Non, non! Mais regarde! Moi je te l'aurais acheté, donc tu vas me l'acheter. Mais mec, c'est 969€. Moi je suis fan de Squeezie. Tu veux le GP Explorer? Non, moi je voulais une coque avec Manon dessus et il y en a pas. Oh non, si, ça c'est stylé là, les plantes. Yoann, je veux ça, je veux que tu m'achètes ça. Ajoute au panier. C'est hyper cher! Mais c'est trop cher. Bon bah, les mecs, il va me l'acheter. Et puis on se retrouve dans la vraie vie, voir si je l'ai reçu. À moins que je me le fasse voler ou que Yoann me l'achète jamais. Mais croyez-moi, il va le faire. Let's go! Après 5 jours, je l'ai enfin reçu. Merci Yoann.